Allô, bonsoir, bonjour, bon dieu bienvenue tout le monde, dépendant de qui vous doit écouter nous, de qui l'a écouté dans quel moment, nous saluons. Et à l'après-midi, à soir, ou bien matin, nous avons une opportunité pour nous raconter avec vous. À ce channel, ça, un projet qui est nourri depuis longtemps. Un projet qui s'allie, c'est où et comment expérience que nous gagnons depuis un pile d'années, qui n'a fait dans tout, corporate America, dans toute grosse compagnie, dans pays ça, nous travaillons dans plus grosse compagnie. Et nous gagnons opportunité pour nous utiliser Excel dans plusieurs niveaux, dans plusieurs, départements. Et nous voyons comment les vraiment sont des outils qui sont bons pour nous connaître. Et son projet nous a nourri depuis longtemps pour nous voir qui, comment nous pouvons partager expérience nous gagnons. En créole. Et c'est, bon Dieu, permettre ça arriver, je ne dis à nous. Côté, nous allons laisser aussi, qui, comment, nous, qu'a commencé channel ça, pour nous partager l'expérience, nous, dans Excel, hein, dans langue, pardon, dans créole, nous, t'as aimé, ouais, comment, nous, partager l'expérience, ensemble avec vous. Et espérer que, même gens avec nous, comment, nous, prenons les outils, ça, pour avoir une opportunité, tous, sous, pour vraiment, entrer d'emblée là-dedans pour voir comment même pour apprendre comment on peut utiliser tous les jours même dans le travail même dans l'affaire privée même dans le business pour avoir comment sans outils on peut utiliser tout. Excel sont applications qui fait partie des et Office Suite qui ont des outils que Microsoft mettait dehors depuis pendant plusieurs années. Il commence depuis vraiment les années, côté t'as bien Windows 3.1, côté Microsoft t'es pareil avec des outils ça qui t'es vraiment pareil sur le marché pour faire compétition avec on l'autre tool qui t'es laid, on l'autre outil qui t'es laid, Lotus 1, 2, 3 avec t'es bien Quadro. Donc sur l'application qui fait partie de Microsoft, même genre avec Word, même avec PowerPoint. Qui ça? Excel là, même, son tableur, son chiffrier électronique, qui permet de faire tableau, qui permet de faire graphe, qui permet, qui même des possibilités pour faire programmation dans, et surtout dans Basic, en langage de programmation que Microsoft gagne. Et puis, qui fait un peu de traitement de texte. En traitement de texte, c'est pas même avec Word, mais nous mettons intégrer en plusieurs documents ensemble, qui permettent de consolider plusieurs documents que vous avez dans le computer. Et nous avons l'opportunité pour nous faire ça. Pour ça, donc, on monde doit apprendre Excel. Excel sont applications, comme nous dit, qui utilisent à travers le monde. Et d'après ce que toute profession qui existe ou pour Excel, mon les possibilités pour Excel, n'importe quelle compagnie au Takaway, dehors, n'importe quelle compagnie au Takaway aux États-Unis, au Takaway dans l'autre pays du monde, en France, et au Takaway dans le pays asiatique, même si vous avez une compagnie à n'importe qui, même si vous avez une grosse application qui a été utilisée, ou l'autre programme, on met sur cet écran même, il y a un monde qui a utilisé Excel, non? Bureau ça. Donc, on a venu dans le bureau de l'État, on a venu dans le bureau privé, et on a venu dans une organisation non gouvernementale, dans un non-profit, organisation qui est non-profit. On a venu dans l'école, professeur utilisé, étudiant utilisé, pardon, et on a venu dans les maisons de commerce. Grande ou bien petite, mais maison de commerce, donc à utiliser Excel. Dans la banque, je vais pas parler, une compagnie d'assurance. Même bagaille, parce qu'il utilise un peu de chiffres. Et au café statistique, le monde qui fait comptabilité, dans la finance, tout le champ de professionnels, ça a eu bien possibilité pour utiliser Excel. Et si vous êtes très bon là-dedans, on pourrait possibilité, comme si vous avez vraiment très efficient avec le travail. Dans le génie civil, génie rural, agriculture, médecine, dans le laboratoire, donc, il y a possibilité, comme on a dit, des pistes côté, on va utiliser les chiffres. Sont aux outils qui sont rapides, même si tu as un logiciel qui est très sophistiqué, comme nous dit déjà, mon a utilisé la compagnie, mais au parler Excel, vous pouvez le cramper comme un outil vraiment que
ou ka mette tout moun ka itilize. Ou pa wè, wè pè opotinite pou wè tout sa, ok. E ki es moun mèm ki itilize Excel? Bon, non, sou employé, nèpot nivou employé ya yon an kompanyi, debi son employé ki gen yon kompyute devan, ki gen posibilite pou itilize kompyute, wè pè an jeneral, gen Microsoft Office Suite ki ap iti employé ki installe nan ordinateur. Donc, la possibilité qu'il y ait Excel là-dedans. Mon superviseur, qui a supervisé des équipes de monde, manager qui, enfin, qui vient des départements, qui est en charge, les directeurs de départementaux, et même les présidents des compagnies. Et donc, le PDG, il y a une possibilité pour utiliser Excel, et chaque monde, ça, il pourra utiliser Excel dans le niveau par eux, dans le niveau que, en fait, dépendant de qui j'ai des informations à chercher, et on a des kits là et on vraiment en produit comme rapport ou bien comme outil avec Excel ou organisé et puis gérer information toute une information qui vient dans sous forme numérique qui vient dans sous forme alphanumérique et ça vous fait vraiment le permettre de transformer information ça mettre sous forme pour canaliser mettre sous forme pour interpréter pour qu'on mette sur en forme de visualisation et pour vraiment faire donner ça ou parler pour vous-même. Donner rien à une brute, ou même pas façon pour organiser, pas façon pour ou mettre sur ce qui forme visuelle ou mettre là, pour qu'on permette, mon à n'importe niveau, ou bien surtout les gens qui prennent des décisions, avec visualisation, ça forme, ça vous mettez, ou permettre de prendre des décisions plus rapides. Exemple de qui ça fait avec Excel. Donc, nous fait des rapports, pour lire des rapports. Un rapport qui vient sous forme tableau, qui vient sous forme graph tout. Et, en général, qui ça au cabinet, mais nous fait avec Excel tout, comme on l'a dit, pour créer des prototypes. Des prototypes qui vraiment peuvent l'utiliser, soit pour une forme de, pour faire des modèles, que, soit des modèles financiers, soit des modèles de calcul, qui peuvent l'utiliser pendant plus longtemps. Il se peut que vous preniez des modèles que vous avez aimé faire, vous avez aimé installer soit online, soit aimé faire dans le département, dans la compagnie ou bien pour toute compagnie en général. Mais le facile pour créer un prototype rapide, avec l'utilisateur, avec le monde qui a pensé, l'utilisateur mis ensemble, et puis vous créez un prototype rapide avec Excel, qui va permettre, depuis, nous venons, on produit, que nous vraiment d'accord sur lui-même, pour qu'on fait passer à département informatique là, et département informatique là pour mettre son forme finale. Mais, dans un premier temps, on va faire un prototype rapide avec Excel. Et on va faire des modèles de simulation, pour étude de cas, étude de scénario, étude d'options. Donc, on va utiliser Excel pour ça. Et, comme on dit. Et, pour avant arriver en forme permanente, avant arriver en forme finale. Bon. Et, tout travail qu'on a fait, qu'on a répété chaque jour, bien chaque semaine, bien chaque mois, donc, gagnons possibilité pour qu'on mette son forme, automatisation. Ça veut dire, si on a répété tâche tout le temps, si on a répété même tâche, pour qu'on mette son forme programmation et permettre vraiment que lui automatiser son pas vraiment, pour faire un travail en seule fois et pour utiliser encore et encore. Donc, avec Excel, on a créé une application solide. Application robuste et à la manière qu'on peut utiliser Access, à la manière qu'on peut utiliser d'autres programmes, des bouquins de software, des bouquins comment vous utilisez Excel, ou après vous avez une possibilité pour utiliser une application vraiment robuste qu'on peut utiliser à travers compagnie, à travers organisation ou à travers business. Utiliser imagination, utiliser et talent rien, ou avoir une possibilité tout sur le café, ou après vous avez une possibilité pour faire avec Excel. Donc, qui intérêt, vraiment, pour mon utiliser Excel? Bon, comme je l'ai dit, il permet de faire des travails qui rapides, et puis il permet de faire des efficients. Il permet, ou économiser du temps, à savoir, bref, pour t'habiller fait, chaque jour, pour éviter le chaque jour, qu'on a créé l'on seule fois, et puis qu'on a qu'à utiliser encore, et encore, et encore, et plus rapide, ça veut dire qu'il y a plus de temps pour vraiment penser à d'autres travaux où il y a des calculs sur le même aspect tout en même temps.
et permet de faire des travaux efficaces, qui peut même conduire à des promotions. À savoir que si vous êtes très efficace, ou vous connaissez comment vous organiser et puis gérer l'information d'une façon rationnelle, ou pour alors qu'on y a une très utile, si c'est une compagnie opérationnelle, si c'est un département, ou une revenu utile à un manager, ou une utile avec des directeurs, ou une utile même avec président de compagnie, parce que talent gagnant, ou qu'à permettre vraiment à cause des gens au travail, ou qu'à permettre de prendre des décisions rapides pour organiser données, et pour permettre ou faire des calculs et présentations rapides avec Excel. Donc, ou qu'avait une très utile, et ça qu'a fait gagner des promotions. Et puis, l'autre bagaille tout, avec imagination, ou qu'a créé des outils de travail. Et même et à moi-même, ça arrive plusieurs fois, nous créer des outils de travail, même le parlement de nous vraiment prendre l'initiative et faire. Et qui satisfaction vient, il pas payé pour lui, spécialement, mais ou vient une satisfaction qu'on contribue positivement en bagaille qui fait avancer, soit en groupe de monde, sur une compagnie tout entière. Et donc, il permet de vraiment vous paraître très utile aux yeux de mon, ou quand même, on vient en référence que mon a vu côté lui-même. Donc, il y a même, qui ça vous me fait? Il aime vous venir ça. Bon. Ça, on peut recommander, il y a plusieurs présentations à venir pour me faire. Nos présentations, il y a une offre pour mon qui vraiment a commencé. Et nous gagnons des présentations tout qui est pour le monde qui est déjà avancé. Et n'importe niveau qu'on est dans la vie, n'importe niveau qu'on est dans n'importe sa vie, il y a des possibilités pour toujours venir tout est performant. Il y a des possibilités pour apprendre plus. La connaissance pas limitée et l'expérience pas limitée non plus. Ça veut dire des possibilités pour toujours aller plus loin que ce qu'on est. Moi-même, même dans le niveau ça, moi-même déjà qu'on est en pile pour m'apprendre toujours et ne toujours pas apprendre faire les choses. Donc, de possibilités pour apprendre là, nous pas limiter. Donc, présentation, oui, on a mis plusieurs YouTube présentations. Oui, on a choisi vraiment qui je voulais apprendre. Même si on a l'enregistrement, il y a des paquets, je mettais comme si vous avez choisi, vous avez dit, vraiment tel paquet, si il y a tout le bagage déjà combiné là-dedans. On s'est dit, bon, on va prendre comme ça. Est-ce que comme ça? Est-ce que comme ça? On mettait, on même choisit qui sauve. C'est le même genre tout, on va faire pour présentation. On va choisir sauver à prendre. On a une possibilité tout pour choisir un package. Et puis, un package, j'ai déjà gagné, comment nous organiser lui pour apprentissage là. Quand des gens plus faciles et plus rationnels pour nous-mêmes. Et puis, on a gagné tout, une possibilité. On a gagné des classes en ligne que nous avons. Si tu as besoin de réellement soumettre en formation qui est plus structurée, je t'amène vraiment prendre photo, sortir et photo pour aller et qui ça, ou pour aller vraiment joindre et qui ça, ou pour aller vraiment apprendre. Nous avons une présentation, ça, qu'on a fait en ligne et qui peut permettre, ou même, ou adapter ou, et avancer. Donc, ça, c'est une sorte d'introduction que nous faisons ensemble avec vous. Donc, si vous aimez perspective, ça nous dit nous pas le fait. Si vous aimez perspective, ça nous gagne. Nous recommandons pour continuer à suivre vidéo, suivre présentation. Et pour encourager nous à aller plus devant, like, cliquez sur like là, bon like, pour encourager, continuer le produit. Et puis tout, si vous aimez vraiment informer les nous, il y a l'autre vidéo qui montait, cliquez dans subscribe. Et puis, cliquez sur cette cloche là. Ça veut dire que chaque fois nous avons une production, chaque fois nous avons une vidéo, un produit, la bonne notification, et avec la notification, ça, on va le connaître, il y a une vidéo qui est vraiment déjà disponible, qu'on va utiliser, et permettre de continuer l'apprentissage ensemble avec nous. Donc, c'est là, on a un peu là. Et, comme nous dit, pas oublier, ben, on like, et puis, subscribe, et puis, à la prochaine.